Rien. Il n'a rien. Malgré son accident, il est indemne. L'air glacial frotte ses joues. Une fumée noire sort du capot de sa voiture. Esprit embrouillé, il pourrait se diriger vers la station essence dans l'espoir d'y trouver de l'aide. Quelle station étrange, se dit-il. À première vue, elle n'a pas été entretenue depuis longtemps. La lumière à l'intérieur le rassure. Il y trouvera sûrement de l'aide. Prendra-t-il le contrôle obsessionnel de son image et son statut d'acteur majeur de la guerre froide ? Le courant vient de se couper. Et l'air froid parcourt maintenant l'intérieur de la station. Il pourra attendre ici un moment, avant que quelqu'un lui vienne en aide. Deux choix s'offrent à lui, maintenant. Se blottir dans un coin, en espérant que quelqu'un l'aide, ou avancer et prendre les choses en main. Les incroyables prédictions de Baba Vanga. Surnomme la Nostradamus des Balkans. Lorsqu'elle s'est éteinte en 1996, la mystique aveugle Baba Vanga aurait laissé derrière elle de nombreuses prophéties. Et certaines d'entre elles ont péri. Il ne lui reste plus qu'à attendre à l'intérieur, au chaud. Mais il pourrait tout aussi bien continuer dans sa lancée et décider de faire face à ce qu'il affronte. Après tout, cette journée n'avait rien de normal, n'est-ce pas ? Et ces réels ou fantasmés d'armes expérimentales en pleine ouvrale, je suis Mathias. Je suis Charles. Il n'est pas à l'aise de s'aventurer dans la forêt en pleine tempête. Mais c'est trop tard. Maintenant, il doit avancer. Tout ça lui paraît bien étrange. Personne à la station, le générateur qui se coupe. Mais il a fait un choix. Il devra l'assumer jusqu'au bout. Son problème n'est pas cette voiture, et il le sait. Mais il doit garder en tête que seul le propriétaire de cette station essence peut résoudre son problème. Ou l'un de ses problèmes.
il aperçoit un bunker datant du milieu du siècle. Il se demande s'il ne serait pas mieux dans le froid. Doit-il vraiment entrer là-dedans? Oui, il doit entrer là-dedans. Serait donc là, prêt.